Hey, hey, hey! Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite d'FF7. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas enregistré FF7, puisqu'on avait fait une grosse pause, hein, et que sûrement que vous verrez cette vidéo un petit peu plus tard que quand je l'enregistre. Des fois vous la voyez plusieurs mois après. Donc on se retrouve à la Cité Perdue, au début du CD2 du coup. Donc on est lancé comme ça direct, hein, y a pas de scène ou quoi. Il y aura un petit dialogue après, mais il n'y a pas de... Ça fait pas début du CD2, machin. Enfin, normal quoi. Et du coup, on va sortir de ce gros coquillage. Et on va aller... essayer de trouver un endroit pour se soigner, parce que j'espère que j'ai plus de MP. Une petite scène dont je vous parlais. Alors si ma voix a un peu changé, c'est que j'ai changé de micro. Et c'est pas le mien, donc je vais sûrement rechanger de micro. Voilà, encore une vision de Cloud. De Cloud, pardon. C'est pratique, ça nous fait une un GPS un GPS mental. Ouais, donc faut simplement aller tout en haut. On va quand même aller là d'abord. Je sais plus où est-ce qu'on peut se soigner. Je me rappelle qu'il y a un endroit où il y a un lit. Bah c'est là. C'est quand même cool qu'il y ait des villages abandonnés comme ça avec des lits bien faits et tout. Je sais pas que c'est la femme de ménage mais... Elle rigole pas. Hein. Même quand il n'y a plus personne et tout. Alors, on va aller... Donc suivre... Zephyroth. Tac. Voilà. Donc, on va bientôt sortir d'ici. Alors là, il y a quelques ennemis intéressants dans cette zone. C'est quoi le nom de ces trucs? Merde. Rusé. Ah mais ouais, c'est vrai que la traduction ça a changé tous les noms, donc ça va être un peu chiant. En gros là il y a deux ennemis intéressants. Il y en a un qui donne peine de mort, qui est un talent de l'ennemi. Alors là ça nous a soigné parce que je dois avoir une arme, un truc de résistance élémentaire. Je me rappelle même pas comment je suis stuffé, j'ai pas regardé du tout comment j'étais équipé. On va faire sentir. Il doit faire des dégâts de terre. Ah non, parce que là, elle a pas absorbé bizarrement. Merde. Je prends ça. Bientôt niveau suivant pour Barrett qui est un peu en retard, non? Ouais. Ouais. Ah non, c'est Cloud quand on avance. Du coup, on va faire quoi? Comment j'étais? Ah oui, là il métamorphose sur son attaque. Absorption Odin. Ah oui, absorption HP sur Odin, d'accord. Je croyais que c'était le truc pour absorber les éléments. Je comprenais pas. Y a pas d'éléments sur Odin. Donc elle c'est la soigneuse du coup, c'est ça. Et pourquoi elle résistait du coup? Elle doit avoir un accessoire. Donc lui il résiste à l'eau et tape en terre, ok. Ah oui, lui c'était le tank en gros. Je fais une configuration MMORPG tank heal DPS. Du coup on va faire quoi, ouais. Je vais voir les équipements. Ruban. Ah voilà, elle absorbe l'eau, ok. C'était une attaque d'eau qui m'a fait au départ en fait. Vous voyez, parce que ça annule le feu. Ah non, ça annule l'eau, pourquoi ça absorbe? C'est quoi ce délire? Ah si, elle absorbe. Mais lui, il annule. C'est bizarre, lui, ça lui fait juste une défense contre le feu alors qu'elle, elle absorbe l'eau. C'est-à-dire qu'elle doit avoir un autre truc d'eau? Putain, je comprends pas. Pourquoi elle absorbe l'eau? Ouais, parce que normalement ça fait qu'annuler les dégâts d'eau. C'est
ça fait pas absorber. Enfin bref. Je sais plus. Ouais. Putain, faut aller où déjà? C'est, je suis déjà paumé quoi. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors ça, c'est quoi? Ventre rebondi. D'accord. D'ailleurs, j'ai encore tant de ennemis, ouais. Est-ce que j'ai peine de mort dedans? Ouais, ok. Parce que là, il y a un ennemi, en fait, dans cette zone qui apprend peine de mort. Puis il y a un autre ennemi à qui on peut voler cercle d'eau. Donc cercle d'eau, c'est justement bah, l'accessoire qui absorbe l'eau. Mais vu que tout a été renommé dans la traduction, bah, à la fois c'est bien pour les dialogues et en même temps c'est un peu chiant parce que je me rappelle plus de... Enfin je connais pas les nouveaux noms quoi. Et du coup je sais pas si ça c'est cercle d'eau ou bac d'eau. Sûrement ouais, sûrement bac d'eau, ça devait être water ring ou une connerie comme ça. Ils ont... Ah non, parce qu'il a traduit du japonais. Je sais plus, putain. Du coup ouais, faut... normalement faut prendre le truc à gauche là. Mais... le coffre à gauche. Ah mais là il va monter là. Faut pas monter Claude. Attendez, je suis pas un boulet en fait. Attendez. Mais non mais putain. Je peux pas arrêter en fait dès que j'appuie sur un truc qui fait son... il fait son numéro de cirque là. Ah, attendez, si je fais ça... Je peux passer par là. Ah si, c'est ça. Ah mais ça va, 6 minutes de vidéo, j'ai fait même pas un écran. Putain, c'est tellement ridicule. Vas-y, je vais me barrer. On va taper en même temps, hein, au cas où... ou quoi ça les tue avant qu'on parte. Bon. Ok. Bon, vas-y, on perd plus de temps là. Donc là, on a lance-serpent. Donc ça, c'est une arme pour Sid. On la regardera plus tard si on reprend Sid. Mais non mais putain. C'est chiant, on fait un truc et il se barre quoi. Il passe par là. Y'a rien. Ah si oui. Putain, je me rappelle tellement plus du chemin. En fait c'est un peu bizarre vu que c'est un vieux jeu en 3D, les décors des fois, la perspective et tout. Bon ok, c'est moi en fait. Non mais des fois franchement c'est mal foutu. Ah je crois que quand il fait ça il nous vole de l'or. Ah c'est marrant les petits trucs là d'or qu'il fait. C'est ça me rappelle un truc. Je crois que c'est les japonais là. Enfin les japonais. À l'époque médiévale ils avaient des petits trucs comme ça en or. Enfin pour la monnaie. Je m'exprime très mal mais c'est pas grave. Soin, on va se soigner. Ok. Donc là on a plusieurs trucs à faire. À gauche. Droite, ouais. Ah non, on peut de remonter. De refaire haut, ah ouais, d'accord. C'est un peu bizarre leur système de haut bas, gauche, droite là. Ah attendez, je crois que ça c'est les ennemis qui donnent un truc intéressant. Affamé. C'est qui vole là-dedans? Lui.
Rien à voler, ils volent pas. Bon, pas grave. Ah carrément, il y en a un, il me rapetille, l'autre il me bouffe quoi. Ah mais il me bouffe vraiment. Putain, on se casse. Moi je crois qu'il faisait des dégâts, il me recrachait. Putain. Et là on regarde l'équipe, y'a plus Barrette. Ah non, c'est bon. du coup, faudrait prendre le truc de gauche là. Gauche. Ah ouais, c'est trop bien fait. Putain. Ah merde, on peut pas redescendre. Putain, mais c'est tellement mal foutu. Gauche. Ok. Haut. Ok. Bracelet électrique. Et du coup, faut remonter. Encore, faut refaire droite. Haut. Gauche. Haut. C'est un peu spécial hein, leur truc. Je sais pas ce qu'ils ont pris pour faire ça. Ok, ok. Là on va faire bas. Bon, là ça bouge tout seul. Hein. Alors en fait je fais que bouger sur les corniches et faire les choix après ça bouge tout seul. Voilà, et là on a une matéria. Voilà, bonus magie. Bon ça s'appelle super magie dans la version originale. Et bah c'est comme super HP ou super... Y avait quoi. Enfin, il y en a pour toutes les stats je crois. En gros ça augmente la magie quoi. Ça fait rien de plus, c'est un bonus de stats. Ok. Ouais là c'est débile en fait, il redescend et je dois refaire pour faire haut. C'est un peu bizarre. Et par contre là c'est moi qui dirige. C'est un peu bizarre. On va se casser. Est-ce qu'on a d'autres ennemis intéressants? Alors c'est peut-être eux qui donnent des trucs alors. On va essayer de voler. Ah, on va les calmer. C'est quoi du coup leur nom? Ventre rebondi. Ok, ok. Alors eux je crois que c'est ceux qui donnent peine de mort, mais je suis pas sûr. Il y a d'autres ennemis hein, qu'on n'a pas croisé là du coup. Mais c'est pas grave. Ah c'est peut-être pas eux Romain, je sais pas. Ok, on va prendre ça. Voilà, et puis là on va sortir. On va arriver sur la carte du monde. Voilà, donc là vous pouvez sauvegarder hein, normalement. Mais nous on va continuer parce que 13 minutes ça fait une petite vidéo quand même. De toute façon là, à part la carte du monde, il devrait plus y avoir de combat. Enfin, je vais pas vous dire d'avance ce qui va se passer non plus. Mais en gros là, on va arriver à un village, ensuite on va croiser. Non, je rigole. Oh, des lapins. Ah ouais, si je me rappelle bien, ils donnent des légumes. Attendez. Est-ce qu'ils donnent des légumes? Non, ils donnent pas des légumes. Peut-être qu'on les tue alors. Putain, il y a résistance, putain de lapin. Carotte fatale. Putain, on dirait le nom d'un film à la con, ça. Carotte fatale. Redoutable céleri. Je sais pas par où faut aller. Je viens de là-bas. C'est par là. Putain, y'a trop de combats dans le jeu, c'est un truc de fou. On est contre quoi là? C'est quoi ça? Bande. Putain, what the fuck? Des fois y'a des noms, même avec la traduction. On dirait un nom allemand là, c'est trop bizarre. On dirait le nom d'un alcool suédois. Je sais pas, j'ai dit au pif. On va le tuer, hein, ça va plus vite. Ok. Putain, j'ai chaud! Désolé, mais il faut moins 30 degrés là, c'est un truc de fou. Ça sent la canicule ici cet été.
D'ailleurs, il y a, en parlant de... Enfin non, pas en parlant, c'est un nouveau sujet. Parce que je pensais au combat aléatoire. Ils ont ressorti en fait certains Final Fantasy sur mobile. Dont le 9, qui a été remis sur Steam d'ailleurs, comme la version mobile, donc il est un peu dégueulasse. Mais par contre, il y a une option maintenant. On peut désactiver les combats aléatoires quand on veut. Pas les boss hein, par contre, enfin, les combats aléatoires quoi. Du coup, nous voilà au village glaçon. Donc le village glaçon, qu'est-ce que c'est? Enfin, en fait, c'est un village. Là, on dit j'y vais quand même. Voilà, et là, on va avoir une petite scène. J'allais dire, bon là, on voit une balle de tennis, mais ça, non, c'était pas drôle. Voilà, et là, on va arriver à une petite scène. Où il y a un truc que j'arrive jamais à faire, mais on va essayer quand même. Bon, elle dit, ouais, je te laisserai pas aller plus loin, tranquille. Il fait, vas-y, qu'est-ce que t'as? Déjà, tu parles pas sur mon père. Et là, elle fait, voilà. Ah oui, c'est Zephyroth qui a tué Tseng. Enfin, il l'a pas tué, mais il a... Il l'a planté. Tel un rôti de veau. Voilà. Et là, en fait, il y a un truc à un moment. Je vais essayer d'y arriver. Voilà. Là, faut éviter les coups, mais en fait, il n'y a pas d'indication. Faut se démerder. Ah, yes, c'est ça. Yeah, je réussis. Prends ça, sale pute. Pardon. Excusez-moi de la vulgarité. En gros, si on fait haut, elle nous fout un coup dans le ventre. Ou si on bouge pas. Elle nous fout un coup dans le ventre. Et après, on s'écroule comme une merde. On se réveille à l'auberge. Et quand on revient, quand on sort de l'auberge, je dis pourquoi t'as évité, t'as pas évité et tout. Et en gros, ça se passe bien en fait. Mais c'est plus drôle quand on esquive quand même. En gros, pour esquiver, faut faire droite ou gauche. Du coup, ça c'est fait. On va aller dans cette petite maisonnette. Avec le gentil chien. Et là, on va parler à cet enfant. Merde. Non, à cet enfant, pardon. À ce chat, on parle à ce chat. Voilà. Normal. Voilà, et là, il y a l'enfant qui quitte la chambre, on sait pas pourquoi. Et il joue. Et du coup, on prend le snowboard du chat. Voilà. Au revoir le chat. On quitte la chambre du chat. On va dire bonjour à l'enfant, voilà. Elle dit, vous m'apprendrez aussi à en faire. Donc c'est normal, tu vois. Tu rentres chez un mec, hey, je suis malade, je te donne mon skateboard. N'importe quoi. Mon snowboard, pardon. Et juste après, juste après, l'autre, la mère dit, hop, on m'apprendra à en faire. Tout est normal dans cette ville. Hein. Drogue de héros. Waouh. C'est boisson de héros, ça, normalement. Drôle de traduction, mais pourquoi pas. J'aurais dit médicament de héros, mais... Alors voilà, il y a une petite carte. Alors cette carte, on dirait qu'on s'en fout. Et mais je vous jure que... Rappelez-vous-en de cette carte. Si vous jouez, hein. Si vous regardez juste les vidéos, on s'en fout. C'est moi qui vais me... C'est moi qui vais galérer. Voilà. Ouais. J'ai eu la solution, moi je suis un fou. Enfin, je veux dire, je sais d'expérience qu'il fallait prendre la carte. Et du coup, là, on va aller. Ouais, allez, tiens, on va aller là. Bonjour, monsieur. Enfin, jeune fille. Voilà. Donc, on va acheter ça. 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 Je sais pas quoi acheter. Lui il a mieux. De toute façon, c'est... j'ai pas mal d'argent quand même. Allez, on va prendre ça aussi. Avec ça. Voilà, là ça va être cool parce que. Ça va nous augmenter et les emplacements et les stats. Donc on dit pas non. On lui parie tronçonneuse, c'est de la merde, de toute façon.
parce que c'est au corps à corps. Et du coup, ça c'est beaucoup mieux. Il y a même plus besoin de mettre longue portée. Et vu qu'il n'y a pas besoin de mettre longue portée, on va lui mettre. Ah, mieux, bah, juste pour XP la matéria. Voilà, lui on va lui mettre. Putain, y'a pas un moyen de. Comment on classe ces conneries déjà? Normalement on peut classer là. Putain, c'est pas possible. Ah oui, rangé. Ordonné, voilà. Voilà, c'est mieux rangé comme ça. Allez, on va lui mettre ça. Je fais n'importe quoi, je mets tout. Alors on va lui mettre bonus MP parce qu'elle en a besoin. Et bah, on va se casser. Voilà, et pour finir cette petite vidéo sympatoche où il s'est pas passé grand chose mais c'était cool quand même, on va aller là. Et là, loupez pas des scènes assez sympas ici. Ça peut être long, remarque, mais on va quand même les regarder. Voilà, faut voir ça et ensuite faire passer la vidéo. Donc là, il y a tout ça. Et on va tout faire. Alors, la crise originelle. Parce que c'est important pour le passé, en fait. Alors là, vous voyez la mère d'Aerys. Vous la reconnaîtrez parce qu'on l'avait déjà vue dans une cutscene à Midgar. Et un professeur. Professeur Ghast, qu'on connaît pas encore, je crois. Ou on en avait peut-être entendu parler vite fait. Voilà, voilà. En fait, il filme, hein. C'est pour ça qu'il pose des questions comme ça, bizarrement. Voilà, parce que les Cetra ont une espèce de lien bizarre spirituel avec la planète. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils ne se coupent jamais les cheveux aussi. Voilà. Voilà, qui est en fait l'énergie qui est transformée en énergie Mako. J'aurais pu mettre une petite musique quand même. Voilà, c'est important hein, pour l'histoire, pour qu'on en prenne un peu le passé. Et c'est bien avec la retraduction, putain. On comprend tout. Voilà, ça, elle parle de Genova. Hein. Donc Genova au cratère nord est apparu à infecter les Cetra. Alors je pourrais pas dire si les monstres, tous les monstres du jeu, sont d'anciens Cetra. Je pense pas, hein, mais pas les bêtes, genre les loups, tout ça, ou les lapins avec une grande carotte. Je ne pense pas. Mais certains, ouais, sûrement. Ah, c'est donc pour ceux qui croient, parce qu'il y en a qui croient ça, hein, vu que l'attraction est pourrie, que Genova est une Cetra, pas du tout, Genova c'est un alien. Hein. Et Zephyroth a du sang, enfin pas du sang, mais on a injecté des cellules de Genova dans la mère de Zephyroth, ouais, qui est... que vous... enfin on verra plus tard. On la connaît pas encore en fait, donc je peux pas trop en dire. En fait, pour voir vraiment le passé, qui est le plus important dans FF7, c'est le passé. L'histoire, après, il y en a pas trop dans FF7. L'histoire, c'est Zephyroth fait de la merde, faut lui poutrer la gueule en gros.
Mais l'histoire, le principal se situe dans le passé, quoi. Ouais, lui, c'est un professeur hein, qui essaie de résoudre certaines choses. Parce que la planète souffre. Voilà. Et là, on a confidentiel. Dossier fille. Voilà, et maintenant on comprend que le professeur Gast et Ilfana, donc la mère d'Iris, voilà, ont eu un enfant. Donc Iris, hein, vous avez compris. Donc c'est bien le père d'Iris. Voilà, c'est tout. Donc là, il a oublié de filmer comme un con. C'est un peu comme moi des fois quand je fais des vidéos. Ça m'est déjà arrivé hein, de parler, de faire la moitié de la vidéo, voire même une vidéo entière. Et là, je fais putain, mais j'ai oublié d'enregistrer. Je vous jure que vous vous sentez bien con. Voilà, et ça c'est très facilement, très très facilement ratable ces vidéos-là. Moi, la première fois que je fais le jeu, j'avais même pas vu qu'on pouvait faire ça. Parce qu'en fait, si on appuie directement là sur le premier truc de la vidéo, ça marche pas, faut ouvrir le truc avant là. Faut appuyer devant l'appareil de gauche et ensuite celui de droite pour voir les vidéos. Voilà, ça bah c'est la Shinra qui est venue les chercher. Ojo. Qui a fait exprès d'attendre qu'ils aient un enfant. Voilà, donc il essaie de les faire s'enfuir et il est mort. Enfin, il s'est fait tirer dessus en tout cas. Je suppose qu'il est mort. Voilà. Et là, c'est là où on se réveille si on s'est fait frapper par Elena. Voilà. Au fond, je crois qu'il n'y a rien. Je crois pas avoir loupé d'autres vidéos non plus. Mais de toute façon, on a l'essentiel. Hein. Voilà, donc faut bien ouvrir ça d'abord. Comme ça, et ensuite elle est là. À moins que, attendez, c'est peut-être moi hein, qui dis de la merde. Hein. Ah non, on peut les voir direct. Je dis n'importe quoi en fait. C'est parce que la première fois que j'avais appuyé, j'avais l'impression que ça avait rien fait. Mais en fait, si. Ouais, on soigne pas, on s'en fout. Donc là, on va partir. On va pas faire la fin de la vidéo juste après ça. Alors là, il y a un jeu. Ça va être une cata parce que je suis trop nul à ce truc. Je trouve ça tellement incontrôlable que. Voilà, en gros, ben. C'est un jeu de surf, donc faire gauche et droite. Et récupérer des ballons, mais ça sert pas à grand chose en fait. Il faut savoir qu'au Gold Saucer, il y a un mini-jeu comme ça. Où on peut gagner des GP. Donc des points au Gold Saucer sur ce jeu.
Si vous prenez un bonhomme de neige, vous transformez en glace. Ah non. Il me semblait pourtant. Vous perdez de la vitesse. Bah c'est plus tard qu'il y a des trucs qu'on se transforme en glace alors. Ouais, il y a des petits blocs de glace je crois. Bon, on dirait que c'est facile mais super chiant en vrai. Hein. Parce que là, vous voyez par exemple, je suis droite comme un porc. Mais je vais quand même me prendre le bord, vous allez voir. Ouais, là, pourtant je peux pas faire mieux quoi. On peut sauter comme ça aussi, ouais c'est vrai. Mais bon, c'est quand même un petit peu incontrôlable. Mais bon, c'est sympa, c'est aussi ça qui fait le charme d'FF7, c'est qu'il y a plein de petites phases sympas comme ça des fois. Même si c'est pas toujours, ça donne pas toujours envie. Il y a la course de Chocobo, il y a ça, il y a tout le temps des petits mini-jeux comme ça à la con. Bon, j'essaie pas de faire bien là, j'essaie juste de la terminer vite parce que de toute façon j'y arrive pas. Bon, ok, j'y ai trop cru là. Putain, il se relève l'air de rien à foutre. Le gars il est en t-shirt et tout, il s'en bat les couilles. Voilà, on peut faire des petits trucs comme ça, des je sais pas comment ça s'appelle, des backflips, je sais pas. J'y connais rien en surf. Donc voilà. Hey! Parce que là, si on avance juste, ça fait ça. Hein. C'est moi qui fais des petits sauts en même temps, je fais des figures et tout. Tony Hawk's Pro Skater 3 et tout. Jeu de mon enfance. Alors là, il y a des arbres. Putain, on dirait pas, mais je joue beaucoup mieux qu'avant. Putain, Cloud, faut maigrir. Hein. Putain, le gars, il renverse des sapins en fonçant dedans. Non, mais là, c'est super chaud. On dirait pas, mais c'est pas facile. Parce que la caméra, on peut même pas la bouger. C'est trop chiant. Putain. Quel jeu de merde. Oh putain, droite. Non. Vous voyez, là, j'ai fait droite comme un con. Et je me prends quand même le rebord. Putain, je comprends rien ce truc. Ah, des chocs, comment on est. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il faut ralentir. Je viens de comprendre en fait, c'est juste que je suis pas joué. Non, mais en vrai, je suis nul à chier à ce truc. Hein. Peut-être que si on va trop vite, on peut pas. Ouais, on oublie de se prendre les bords après. Ouais, j'aurais dû ralentir. Donc là, il y a plusieurs chemins, mais ça change pas grand chose en fait. Dans tous les cas, on arrive à destination. Enfin, on arrive au même endroit en tout cas. Allez, fais du 130 km/h. Ah oui, c'est là. Alors là, c'est trop chiant. Putain. Même les rochers, il les détruit quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on va aller à gauche cette fois. Comme ça, on dirait pas que je suis un mec de droite ou de gauche. Mais un mec indécis. Alors là, on comprend pas trop. Il y a de la. Ça fait un arc-en-ciel, il y a des cristaux de glace. Alors, si, peut-être que ce que ça change la route, c'est qu'il n'y a pas les mêmes obstacles. Je suis pas sûr. Parce que moi, dans mes souvenirs, il y a des petits cristaux. Enfin, pas des cristaux comme ça. Genre des blocs de glace par terre. Alors que là, il y en a pas. Peut-être que le décor change, je sais pas. Bref, voilà, on arrive, pam, et là on s'écrase comme une grosse merde dans la neige. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on va pleurer. Là en fait, la prochaine vidéo, je vais sûrement devoir la recommencer. Voilà, c'est super chaud, on dirait pas, mais c'est super chaud. Vous allez voir, ici, c'est l'enfer. Ah merde! Je peux même pas sauvegarder? Oh non! Putain! Je peux pas sauvegarder, les gars. Je sais pas comment je vais faire. Parce que je suis pas sur émulateur, là, je peux pas sauvegarder quand je veux. En fait, je voulais arrêter là, mais du coup, ça va être chaud. Bah au pire, si je crève, je vais arrêter la vidéo là quand même. Puis au pire, bah je referai tout hors vidéo. Si je me plante. Hein. Donc voilà, là il y a une carte. Donc pour la carte, c'est... On va activer ça, ouais déjà.
Voilà. Voilà. Donc déjà, il y a un truc qui est cool, c'est que la carte est à l'envers. Alors non, non, attendez, je dis n'importe quoi. Nous, on est à l'arbre. Voilà, et là, on va se paumer, de toute façon. Vous voyez... Attends, je peux même pas reprendre la carte. En fait, moi, je vais juste arrêter la vidéo, en fait, à la base. On va arrêter de faire les conneries. On va arrêter la vidéo. on va pas sauvegarder parce qu'on peut pas. Puis je vais essayer d'enchaîner avec la suivante en fait. Parce que je pensais que je pouvais ressortir dehors par là, mais non. Donc du coup, non, il y a aucun moyen de sortir dehors par là. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est un peu longue. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite d'FF7 dans ce gros merdier. Salut et à plus.